dessus de bois la pirogue. Ok. Chut, grosse roche. Minimassé. Nous voici dans la ravine Catala. Une chute de 8 mètres. Environ 1h30 pour arriver. Et donc 3 heures l'aller-retour. Il y a une partie à grimper, donc uniquement pour les chevronnés. Très très belle, très très intéressante. Merci à Virgile, Virgile Rocher. Pensez à le suivre. Bien, maman. Bien. Ok, donc de là on va remonter à pied pour chercher un autre bras et d'autres cascades. C'est déjà joli pour un début, c'est très beau. Ça ressemble à ce qu'on a ici là au beau monde. Ah quand même, Olive. Tu as un jury, le sopotier est 20 fois mieux que ça. Blinded by the ones I lost, connecting lines of which we crossed, which we crossed. Dropped off the scene that died, wishing to have one more fight left in me. Une grosse roche, c'est beau ça, il y a un beau débit, la progression est assez lente, il faut toujours passer de roche en roche. Ok, donc dès que vous arrivez à cette arbre-là, à peu près une heure, deux bras qui se séparent avec deux cascades, une petite avec du débit à droite, une grande sans débit à gauche. Yeah, on a réussi les premières cascades. Je suis pas contente d'inviter. Ça va être l'ambiance. Chute grosse roche. Voilà. C'est pas celle-là? Bon, on peut la nommer bois la pirogue. Hein. Chute bois la pirogue. Bah oui. Chute bois la pirogue. Ok. Il y a combien ici? 10 mètres? Je pense qu'il y a plus que 10 mètres là. Hein. Ok, donc on va essayer de remonter ça sur la droite. Tout au transparent. Tu le vois là? Ouais, c'est bon. Il est pas mal, hein? Alors. J'arrive un peu, mais je. Il arrive, il fait une photo. C'est pas mal cette escalade. Ouais, pick-up. C'est pas le moment de. Ok, donc c'est un peu casse-gueule. Uniquement pour les gens chevronnés. Donc en bas il y a la 8, on vient de voir là, et on arrive là. On a fait combien ça?
Ok, Yann est chaud. Bon, Virgile a triché. Une technique pas mal. Échec. Essai numéro 2. Regarde, mets ton pied à droite. Ton pied à droite. Attends, là, là. Attrape le bois. Main là, solide. À droite et à gauche. Plus loin encore. Là, quand même. Attends, prends droite, prends droite. Yeah! Ok, on y est. Celle-là fait 8 mètres aussi? Waouh, elle est belle, hein? Donc voilà, deux cascades de 8 mètres en une heure. Bah, si on voit au-dessus de la première cascade 8 mètres, un petit canyon sympa sympa, et elle est au bout. Voilà, et là on remonte par où nous sommes arrivés. Ok, parcours plus facile pour monter et descendre au niveau de ce grand arbre. Vous prenez directement par la forêt ici et vous remontez, c'est beaucoup plus doux. Alors attention quand même au bout, il y a de la boue, ça peut glisser, il faut vraiment s'agripper à chaque racine et donc il faut un public averti. C'est une nouveauté anti-fourmi. À chaque fois, c'est moi qu'on envoie avec le coutelas et puis les bêtes sautent sur moi. Ah ouais, pas joli, hein.